Allez! En route, mes petits nounours! On y va! Elle est où la sortie? Je suis dans les chiottes, non? Non? Elle est où la sortie? Non, je suis perdu! Allume-moi un petit peu de feu. Elle est où la sortie? Wesh, elle est où la sortie? Ouais, par là. Est ce qu'il paraît, il va y avoir un gros patch cette semaine d'ailleurs sur le jeu, si j'ai bien compris. Cool, cool. Salut, Docturia. Hop, 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 radiation, là, on va faire gaffe. Wing. Allez, en route. Le glitch de l'argent. Ah, mais sur PC, on n'a pas besoin de glitcher, nous, tu sais. On a déjà les outils pour avoir de l'argent, hein, s'il faut. Oui, mode. Gratuit, en plus. Et merde. Tous beaucoup ce soir, mais non. N'oubliez pas les gens, hein. Si vous allez dans une zone très dangereuse en termes de radioactivité, tout ça, prenez des boulons avec vous, à ce qui paraît, ça sauve la vie. Vous allez là-dedans? Ah ouais. Je suis bien équipé là. Ouf! Ouais, ça devrait le faire. Pas sûr, mais. La mitrailleuse est bien équipée. Il a de l'endurance d'armes du genre elle explose. Bah en fait, oui, il y a une endurance d'armes en soi dans le jeu. Tu peux voir la durée de vie en bas. Maintenant, je pense pas qu'elle explose. Mais je pense qu'elle devient totalement inutilisable dans le sens où est-ce qu'elle va s'envoyer plus souvent ou genre de conneries, quoi. Je viens de saigner pourquoi, là? Et pourquoi j'ai pris une vodka? Dernière nouvelle, les vodkas s'arrêtent pas le saignement. What? Je saigne encore? Ah merde, j'avais pas vu les petits pics. Gershevich, what's that noise? Are you done with diagnostics? What the hell? Is that gunfire over there? Gershevich, Nikitin, come in. Requesting reinforcements. Hold on. Ah, il est en train de se passer un truc grave là, je crois. Comment je passe là-bas, moi? What? Vivement les rendre... Les mods pour les rendre ultra OP. Oh, rendre ultra OP, quoi? Parce que là, j'ai vu qu'apparemment, il y avait un mod pour faire en sorte que l'IA ne soit plus en mode IM bot. Je loupe jamais mon tir quand je te tire dessus. Ce qui en soi est techniquement plus réaliste, hein. Normalement les IA sont pas supposés pouvoir te déglinguer aussi rapidement dans la vraie vie, hein. Putain, c'est vrai que les IA dans le jeu, on dirait qu'on a l'impression d'affronter des snipers qui utilisent des fusils à pompe. Ok, je peux pas ici. Oh merde. Désolé les gars, on va devoir attendre.
Heureusement. Pas péter ça derrière là. Wow. Bon bah sinon vous ça va? La vie, tout ça, les enfants, le chien. Pas de mode pour la torche? Non, j'en ai pas vu pour l'instant. Ah mais oui, je suis con moi. Dès que j'avais ça. En plus c'est bien stable. Ouais, c'est pas mal. Et c'est quoi l'autre type de munitions? Ah, j'ai pas l'autre type de munitions. Ah mais t'as pas besoin de mode hein, avec ça, hein, pour avoir God Mode, munitions limitées, tout ça. Tu télécharges Wii Mode, tu te mets le God Mode, tout ça, hein, t'as tout, hein. T'as déjà tout, hein, ça. Genre le jour même de la sortie du jeu sur PC, il y avait déjà tout ça, hein. Dayland 2 au rabais. Ah, il a combien au rabais de Dayland 2 d'ailleurs? C'est pas pour le PC. Ah ouais, mais malheureusement, la version console, elle supporte pas les mods. Hein. Oh, du moins, dernière nouvelle. J'ai pas vu que les devs avaient parlé de mods à l'époque où est-ce qu'ils ont annoncé le jeu. Bon. Oh. Ni? Ils ont comme confirmé les modes sur Xbox Series. Ah bah tant mieux alors. En vrai, c'est rare que les devs supportent les mods sur console. Par contre, j'ai vu qu'ils ont fait sur Baldur's Gate 3 par exemple, ils ont mis la gestion des mods même sur console. Donc ça, c'était cool en vrai. Putain, il y a combien de morts au mètre carré là? Je vois des X partout là. Voilà, t'es vu toi. Y'a des gens? Pas personne là. Quoi ces bruits? T'as des tirs de mitrailleuse que j'entends là, non? Oh, salut les gars! Ah, vous savez quoi, je vais la prendre quand même. Et mais je vous jure, les gens, j'ai l'impression de passer ma vie dans le noir dans ce jeu. Fallout 4 et Skyrim ont des mods sur console. Oui, mais c'est normal, c'est Bethesda, hein. Sans les mods, leur jeu, ils valent que dalle. Sans les modeurs, leur jeu, ce serait des bug fest, hein. Ce serait la foire aux bugs, hein.
Encore heureux hein, qu'ils ont les modeurs, hein, parce qu'ils savaient pas les modeurs. Ça aurait l'air con, hein. Larissa, arrête de check ton booty sur le stream, s'il te plaît, merci. Larissa, Larissa. Hold them down. I'm reloading. Hein? Hein? Ok. Il vient de se passer quoi là? Vous l'avez vu comme moi. J'ai pas réellement poids limité hein, sur le mode. Hein. Plus une aide qu'autre chose. Mais ça va beaucoup aider. Moi je vous le dis tout de suite. Hein. Something is wrong. T'en penses quoi du jeu jusque là? Franchement j'aime bien. Le seul regret que j'ai sur le jeu c'est que malheureusement, bah voilà, comme beaucoup de gens dans la presse le disent, c'est que l'optimisation est pas folichonne. Graphiquement c'est vrai que c'est pas exceptionnel hein, quand on regarde, hein, c'est vrai que, enfin... Je pense que ça aurait pu être mieux. Maintenant, est-ce qu'il mérite le badge qu'il a reçu? Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, que vous soyez sur Xbox ou PC, il y a le Game Pass si vous voulez le tester. Hein. J'ai déjà ce flingue ou pas? J'ai déjà ce flingue. Il est peut-être meilleur. Il est peut-être en bonne qualité. Non, il est pas en bonne qualité. Putain! Oh, 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 oh! Qui m'a spoté? Qui m'a spoté? Ah ouais! Oh. Vlad le sucre? C'est quoi pour un nom? Hey, salut, hein, ça fait des années que je suis dans la zone. Ouais, t'appelles comment? Vlad le sucre. Ah, ok. Ouais, c'est ça le truc, c'est que les devs ont quand même dû gérer une guerre en Ukraine, donc... D'ailleurs, je suis étonné que Microsoft leur ait pas proposé de venir bosser directement dans leur studio aux USA ou un truc dans genre, vous savez, un visa de travail ou ce genre de choses. Alors peut-être qu'ils ont refusé parce que voilà, mère patrie, tout ça. Hé hey, monsieur, vous êtes qui? Ouais, vous avez... Prends ça, je vous prends ça aussi. En fait, Vlad le sucre, ça fait plus nom d'acteur porno, je sais pas ce que vous en pensez. En featuring avec Katsuni, Vlad le sucre. Pour de la vodka sucrée, tapez 1. Permettre à Strider d'accéder au système Azimut. Ya, camarade. Faut juste que je me souvienne d'où je venais. Apparemment, j'ai déjà oublié. Oui, effectivement, j'ai déjà oublié d'où je venais. Putain, sa mère. Voilà que je suis venu. Ouais, s'il y a un corps là-haut, c'est que là que je suis venu. Ouais, c'est peut-être là que je suis venu. Okay. Poum 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 poum. Artuman! Ya, c'est allemand. Allez!
On va tous se mettre autour d'un feu de camp et on va chanter Erika. Non, je déconne. Je déconne, hein. Vous savez ce qui me fait rire? C'est les vidéos d'asiatiques qui chantent, enfin... Vous savez, vous vous souvenez le passage où est-ce qu'il y a des vidéos un petit peu mèmes avec des vétubeuses... Pas moi, je suis promis, c'est pas moi. Pas moi, je jure. Enfin, vous voyez, l'espèce de vétubeuses asiatiques, japonaises, bref... Vous savez, dans GTA V, quand il y a... Ah, comment ils s'appellent encore les deux blacks, là? Il y a Omar et... Ah... Oh, je me souviens plus de leur nom, là. Et quand il y en a un qui dit le mot en N, mais super bien long, et que t'as les vétubeuses asiatiques qui le font, elles aussi, en mode « Ouais, je risque rien, façon. » Franklin et Lamar, ouais, c'est ça. Oh, il est où, ce Coquinou, là? Hé, hey, Coquinou, where are you? Moi aussi, je peux sniper. J'ai juste besoin de savoir où t'es, ma biche. I can see shit. On peut avoir une lampe torche avec 5000 lumens, là, ça serait pas mal. Ok. Doobidoobidoo, where are you? Je vais te mettre ma bouteille de vodka dans le cou. Quoi? Et où do you voodoo, bitch? Voilà. Bon, ok. Y'a personne. Ah, une Monster Energy. Ça fait zizir. C'est quoi ce PC de mes couilles, là? C'est Windows XP Community Edition? Mais... J'en ai marre de me faire exploser à la gueule, bordel! Ah. Allons-y doucement. Le stalker serait quand même un petit peu mieux si je pouvais voir la nuit. je peux pas commander vite fait une lampe sur AliExpress qui me permettra de véritablement voir dans la nuit. C'est long. Voilà. Dead? J'ai l'air dead. Et c'est bien gueule. Quoi? C'est tout ce que t'avais sur toi? Honteux. Pourquoi je peux même pas looter son armure en vrai? Faut la voir. There's gotta be a backup storage panel on the antenna near you.
6 mètres en hauteur. Hein? L'eau, Saria. Ça manque de mutants volants? Ouais, je trouve que ça manque un petit peu de mutants pour l'instant. Hein. En termes d'agression, je trouve qu'on s'est pas spécialement fait agresser beaucoup par les mutants de la zone en vrai. I did what you said. Return to Icarus. Get everything ready. It is time. Yes. Word of the monolith. So it was you all along. Oh, Faust. Wasn't the only one. Someone else on Azimuth finished the ward off before I got there. Fama was with them. He tried to kill me, Strider. I need to get to Icarus. And the sooner the better. Faust had a reason to leave the island just now. Skip, if you find him, try to find out what he's up to. He's my brother. In the end, all his sins are also mine. Ah. Ouais, c'est ça, par le les piggies, les chiens, les rats et celui invisible. On a eu le hurleur là, qui nous baisait un petit peu la tête là, mais on n'a pas eu grand chose hein. Presque un petit peu décevant. Bon, allez, voilà l'objectif. Ouais, je peux pas monter. Y'a rien. Où est-ce qu'est la sortie? Oh, cette architecture russe là. Pas folichon, hein. Faut pas se mentir, hein. Alors, je peux pas me glisser là, non. Les arcs électriques que je vois là-bas. Ouais. Salut. Et merde. T'as vu que je tombe dedans. Ah, je viens de tilter. Comment est-ce qu'on fait pour les... Pour passer les éclats de verre en fait. Faut pas avancer, faut se mettre en mode marche dans le jeu, d'accord. Même Fallout a une lampe 100 fois plus puissante. Ouais, je serais pas dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans Fallout, le cycle jour-nuit n'arrive pas aussi vite. C'est vrai que quand on regarde, le cycle jour-nuit, il est super court, j'ai l'impression. Quand je suis en cycle nuit, je me dis intérieurement, mais bordel, mais la nuit dure plus longtemps que le jour, c'est pas possible. Et merde! Sur la tête, ils disent que c'est de la merde. Bah écoute, les joueurs PC sont pas forcément cet avis de ce que j'ai vu. J'ai glissé, chef. J'ai fait une Gérald de Rive. Vous vous souvenez, Gérald de Rive qui est pas foutu de faire un saut de 2 mètres sans mourir. Ce qui est marrant d'ailleurs dans la presse, c'est que PC Gamer a quand même été dire que ce jeu a sauvé 2024 en termes de gaming. Ça fait un petit peu hautain. Mais voilà. C'est ce que PC Gamer a été dire. Ce jeu a sauvé 2024 de l'ennui du gaming. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein.
Alors, je dirais clairement pas que je me suis ennuyé cette année, hein. On a quand même eu Stellar Blade, hein. Mon petit préféré quand même. On a eu Warhammer 2, hein, qui était exceptionnel lui aussi. Maintenant on a ce jeu qui est très très bien, mais qui a un petit, qui a des problèmes d'optimisation. Final Fantasy VII Rebirth, je m'en branle un peu, je vous avouerai, hein, si jamais. Je serai jamais, mais malheureusement, un grand fan de FF7. Par contre, c'est sûr que j'y aurais eu un Final Fantasy VIII Remake, j'aurais été... Oh oui, Papa Square Enix, j'en veux encore, donne-moi. Ah oui, le Death Elden Ring aussi, c'est vrai. Mais bon, on va pas se mentir, le Death Elden Ring, c'est plus pour les sadomasochistes. C'est quoi ce truc? Ah, ils m'ont fait mal! Attendez, le perso a faim. Ah, justement, ouais, effectivement. On parle de mutants et là, bizarrement, ils arrivent. Là, je dirais que ce sont des mutants zombies, hein, vu la gueule. Par contre, je vous avouerai que quand je l'ai vu arriver, je m'y attendais absolument pas. Bon, du coup, on va retirer le sniper, hein, on va passer au fusil à pompe. Ça sera peut-être mieux pour le corps à corps, je pense. Ah! À niveau munitions, on n'est pas très folichon. Et d'ailleurs. Oh putain! D'ailleurs, moi pour l'année prochaine, hormis le fait que j'attends Doom, hein, bien entendu, hein, comme quasiment tout le monde, hein, comme tout joueur décent qui se respecte. Plus de Doom, personnellement, j'attends la re-release de Stellar Blade sur PC ainsi que Spider-Man 2. En termes de jeux qui sont déjà sortis en soi. C'est Stellar Blade, j'avoue que s'ils le ressortent vraiment sur PC... Bon, déjà, vous imaginez que les nudes mods, ça va fuser. Quasi sûr, une semaine après la sortie du jeu sur Stellar Blade, on va pouvoir mettre Eve toute nue à tous les coups. Mon Gotti. Ouais, j'avoue, des ghouls, ouais, c'est vrai, ça aurait pu ressembler à des ghouls aussi. Mon Gotti, c'est dur à se prononcer. Personnellement, je suis vraiment tenté de mettre Warhammer 2 Space Marines en Gotti. J'avoue que je me suis grave éclaté sur ce jeu. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant éclaté sur un jeu. Et vu comment on a soudé le multijoueur aussi. Les petites que la mission campagne coop là. Pas à dire, on a bien kiffé notre race dessus. Donc ouais, personnellement, moi je mettrais Warhammer Space Marines 2 dans le GOTY, moi. Malheureusement, il a pas été sélectionné pour les awards. Que j'ai trouvé quelque peu étonnant. Limite, j'aurais viré le DLC Elden Ring et je l'aurais mis lui, quoi. Parce qu'on va pas se mentir de vous à moi, un DLC qui est nominé pour le GOTY, c'est stupide. Juste stupide.
Ah, oula, oh. Voilà, j'ai vu. Hein? Juste du vent? C'est juste du vent. Salutations, camarade! You're entering war territory, Stalker. You have no business being here, you hear me? Turn around and get lost. I've got a permit from Colonel Korsunov. Are we hiring stalkers now, too? Eh, whatever. As long as you can help. Come on in. The commander's in the main building. We've got an infirmary there now. Oui, mais c'est le putain d'essai d'un jeu génial. Ouais, bah alors tu m'expliques pourquoi ils ont pas nominé Phantom Liberty pour Cyberpunk au GOTY? Hein? Hein? Parce que Phantom Liberty, il est quand même sacrément exceptionnel hein, pour un DLC lui aussi. Hein. Ah, regardez, c'est un HLM russe. Ça se voit. Ça se sent. Ah oui, d'ailleurs, question con. Oh, les glitches visuels, j'espère que ça sera patché vite, hein, ça. C'est où le dodo? Regardez ça, là. Oh, les glitches. Question con, est-ce que ma cache est transférée entre toutes les caches? Oui, bien, ça, bien, bien. Bon, ce qui est bien, c'est que techniquement, je peux vendre ces armes. Elles sont jaunes, je crois qu'en jaune, il les reprend, je suis pas sûr. J'aimerais bien avoir le petit piou-piou, là. Qui est en train d'agoniser. On va quand même retirer quelques armes vite fait. On peut pas trier le butin. Oh la loose. Bon, 3 mètres au-dessus. Allez, let's go. Ah ouais, ça glitch de ouf, hein. Ça, c'est... These medications have accumulated... Stalker? How did you get in here? One of your men is a rat. One of my men? Bullshit! I intercepted a message about a plot to sabotage Icarus. It was sent over an old frequency, a monolithian one. Just like the PDA the traitor used to communicate. If it's old, we can trace it. I bet it's Krivenko. He puts his shitty gadgets all over the place, thinking we'd never put two and two together. All right, here's the plan. I'll send my soldiers for a walk around the camp, just in case. You get rid of the antennas. They'll jam any direction finder. All right. We have a deal. Make it quick. Who knows what the hell these antennas are supposed to do? Les ombrelles sont cassées. Oh là, oh, oh. Attendez, 9 mètres, comment ça 9 mètres? Ouf. Un mètre? A stalker at Icarus. These are desperate times indeed. How are you feeling? Any headaches? Dizziness perhaps? I wish I had the proper equipment to read your psi signature. Given the circumstances, it never hurts to have a... control sample. I've been informed that there's a traitor in the ward. He probably has monolith connections. Can you help me find him? Monolith? Impossible. I would have noticed for sure. But if you insist, let's run another check. I'll need up-to-date readings from the scanning antennas in order to find your traitor. Unless, of course, you are just imagining him. There's the order of the day around here. Deal. I'll get your data. It's a pleasure working with you, Stalker. Here's a recording device. Tell me if you start feeling unwell. Remember, I'm here to help. Hein? Tu m'as filé? M'a filé quoi? Oh
Hein? Oh, j'avoue, ça glitch bien fort ici, hein? Je sais même pas ce que je cherche réellement là. Bon, apparemment tout est en bas, tant mieux. Encore en bas? Je dirais bien. Bon, je suppose que les antennes sont à l'extérieur. Ah, voilà qui est mieux. Alors, 50 mètres. Oh, il y en a une en hauteur ici, à 80 mètres. Je vais commencer par celle en hauteur. Ah. Mon instinct me dit qu'elle est dans cette foutue tour là-haut. Hello. Don't distract me from the transmission. Ok. Je ne vous dérange pas, monsieur. Pas quoi votre... Je sais pas, je connais pas votre rôle dans l'histoire, mais promis, je vous dérange pas. Ah! Ah, ok. J'avais pas vu les chats sur le côté, sorry. Ah non, de la plateforme, fais chier! Hey! Et vous les gens, c'est quoi votre GOTY de 2024? Que de savoir. Hey, this spot's mine. It's easier to breathe here. Just don't tell anybody, okay? I'm not telling anyone. And you don't tell anyone about this spot either. Oh, c'est plus facile de respirer en hauteur. Le mignon. Allez, je me casse. Est-ce qu'on adore descendre? Ouais, 120 mètres, 140 mètres. Oh, allez là-bas, let's go! Déjà, faut que je trouve comment je sors d'ici. Putain, mais... Les petites rambardes, on peut les sauter, y a pas de problème, mais ça... L'année 2024, ouais c'est vrai. C'est vrai qu'elle était un petit peu calme en termes de gaming. Hop, par là. En espérant que 2025 sera exceptionnel. Enfin techniquement si en 2025 il y a GTA qui sort, ça sera déjà une année exceptionnelle. GTA 6, pardon. GTA 6. GTA 6 sort vraiment en 2025. La fin d'année va être exceptionnelle. Enfin, s'ils ont pas foiré le jeu, bien sûr. Il faut déjà qu'ils le foirent pas. Hein. C'est pas parce que le studio s'appelle Rockstar qu'ils vont pas forcément faire de la merde. Et attendez un instant. Il se passe à quelle époque ce jeu? ?1986. Alors vous m'expliquez déjà alors pourquoi il y a des USB? Parce que les USB c'est arrivé bien après.
Mais surtout, pourquoi c'est des USB 3? Vous voyez la petite couleur bleue ici? En général, c'est indicatif de l'USB 3, hein, ça. Il ne devait pas y avoir Wolverine? Ouais, je pense pas qu'il sortira en 2025, Wolverine. Hein. Wolverine, je tablerai plus pour 2026, début 2027. Hein. Parce que vu comment ils sont super silencieux par rapport au jeu, c'est inquiétant. Hein. Là, vous allez me dire, c'est normal en Russie! Le redouille, ça rouille. Est-ce que ça rouille? Excusez-moi les gars, je crois que je dois aller par là, mais je suis pas sûr. Attendez, venez. Un mètre en haut. Ok. Ok. Donc le cœur 2 n'est pas fini. Moi, je pense que le jeu est fini, mais il est mal optimisé, tout simplement. En vrai, c'est son seul défaut, hein, quand on regarde. Hein. C'est vraiment optimisation. Hein. Salut les boys, vous allez bien? Well, well, looks like Krivenko's got himself a new assistant. Those slackers from the Institute sure like to ride other people's coattails. De toute façon, les gens, on va couper la poire en deux. Le meilleur jeu de l'année, c'est Super Mario Jamboree. Voilà. On est d'accord. On va me dire non, non, non. C'est bon, monsieur, j'ai vos données. I got all three reports. Laugh if you want, Stalker. But it seems like you were right. Icarus may indeed be exposed to the influence from outside. Have you found the traitor? Not exactly. But I did find an interesting disturbance in the psi field, here in the camp. So much for the much vaunted ward. I remember Senkevich puffing out his chest when he said his most trusted man, Shterev, had checked everything and that the threat was clearly coming from outside the camp. Follow these coordinates. I'll have security let you in. If the thing beneath Icarus is what I think it is, I want you to leave it alone, but make sure you get a reading from it. En vrai, je vois beaucoup de gens me parler du côté Alive. Mais en fait, je sais même pas à quoi vous faites référence quand vous parlez du Alive, en fait. Ouais, avant Stalker 2, j'avais jamais entendu ce terme. Hein. Je suppose que par Alive, vous voulez dire un univers vivant ou est-ce que chaque PNJ vague à ses occupations, une connerie dans le genre. Si c'est ça en fait, vous avouez que ça m'intéresse pas de savoir que des PNJ vont sortir d'une zone et aller faire leur petite mission pépère tranquille, vous voyez. Un mode de Arma 2, attendez, ah. Ah, attendez, ça me dit quelque chose ça. C'était pas le mode où est-ce qu'en gros les joueurs pouvaient... en gros ça a donné... Mais d'ailleurs le mode de Arma, ça a pas donné justement les serveurs RP de GTA techniquement.
Bah si c'est pas là, personnellement, je m'en branle total. En toute honnêteté, si c'est pas dans le jeu, je m'en branle total. Non, les modes Alive sur Arma, c'était qu'en gros, c'était comme GTA RP, quoi. Enfin, techniquement, c'est Alive qui a donné naissance à GTA RP en soi, mais... En gros, est-ce que le truc, c'est que chaque joueur a une fonction dans le jeu, quoi. Alors, est-ce que tu peux être policier, ambulancier, dealer de drogue, macro... Le but c'est de faire sa vie, mais dans le jeu quoi. Ah c'est génial ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on n'a même pas un que... Ah je sais pas, moi ça m'a jamais emballé ce genre de truc. On m'a pas... Ça m'a jamais plus intéressé que ça. J'aime bien le concept, ça c'est sûr, le concept est vraiment intéressant. Mais personnellement... Je préfère jouer à des MMORPG que jouer à ça en vrai. Ah! Wow! Ok, y'a qui je pense ici, je crois. Ouais, je pense que il est là. Oh bordel. D'ailleurs, le mode en soi, il s'appelait pas Alter Life ou un truc dans le genre. Oh bordel, qu'est-ce qu'on est en train de subir là? Détruire la balise psy. La balise psy. On va savoir des alus. Faut que je me tire. Je venais d'où? Merde, je venais d'où? J'ai des psychotiques sur moi. Quoi ? J'ai oublié de faire un truc ? Non. Ouais, vas-y. Trying to get on the captain's good side, are you? I thought you were smarter than that. Ah merde! Faut que j'y retourne! Non! J'ai oublié de récupérer les trucs de la balise! Nya! Quoique. Attendez, pourquoi ça me dit d'aller là-bas là? Je comprends plus rien là, ça me dit d'aller retourner là-haut, d'aller ici. Well, what the fuck was under the planetarium? Some kind of strange device. It had more rads than an anomaly. I didn't feel right until I smashed it to bits. So that's why my men were losing their shit. Shtedev,
You piece of shit. I'm gonna bury you. Can we track him? I'd like to talk to him too. He's not getting away now. I'll drain these swamps, dig them up, and look under every rock. He's gonna answer all my questions. Who, why, on whose orders? So many good men had to be discharged back to the mainland, or worse, because of that asshole. Polonsky, get me on the radio on the double. Yes, sir. On the double, sir. Attention, all patrols. You are to detain Lieutenant Shterev at once. Do not negotiate with him. If you encounter resistance, shoot to kill. Alpha Team, you're cleared to enter the Claw. Bravo Team, get to the vent. Use extreme caution. The Lieutenant may employ monolith weapons or tech. I sent you the coordinates of the patrols, Stalker. Give them some backup. We can't let Shterev get away. Check in with our medic. Have him give you some Circa pills. They'll come in handy in the swamps. Mais quoi? Les pilules quoi? Je suis pas sûr que le médic m'a la bonne maintenant. Il a pas l'air d'avoir apprécié que je pète le truc. Les gars, ça roule. Stalker, don't trust anyone around here. They're not real. The real Captain Sienkiewicz is lying over there. He hasn't budged in 3 days. Today, drowned Batalov in the swamp to make sure nobody could stop them from taking over. Salut. Belle texture, hein. Ah non, c'est les textures qui bug littéralement, quoi. An encounter with local fauna or food poisoning at worst. Boy, was I wrong. There isn't a single empty bed left in the infirmary. We bring a new pa- So for the... I need some circuit. The captain should be thinking about his men instead. I can barely scrape together enough to... Here you go. Don't take these unless it's absolutely necessary. Look, Stalker, can you help me with something? Non, je peux pas t'aider. Three of my... What about... Je peux pas t'aider. What? Bon. Allez, vas-y. Mettez tes hommes à la con, là. Attends, je vais prendre ça, moi. Non. Non, ça avait fait psy skiff à des alus sur le papier peint. Ouais, c'est vrai, vu comme ça. Bon, en tout cas, on doit aller dehors. Je sais pas à quoi sert ces pilules, mais... J'espère que c'est de la bonne. J'espère que c'est de la bonne, hein. T'as dû acheter des munitions, non? Mais merde! Salut Tony, salut Super Trump. Ah, vous allez bien, j'espère. Pardon, je suis en train de me faire chasser le cul par des enfoirés au loin là. Alors, je sais que je suis sacrément aveugle, mais je vois personne là. Pourtant, je me rapproche d'un danger.
Ils sont où? Ils ont voulu me tartiner la gueule et maintenant ils ont disparu quoi. Hein? Bah c'est quoi? T'es en train de me dire qu'il y a plus d'ennemis là? Personne? What? C'est cool le jeu, ouais j'aime bien pour l'instant. Ça donnerait presque envie de faire le 1, mais malheureusement je suis pas assez sadomasochiste pour faire le 1. Moi qui ai eu des gigapatch, tout ça. J'entends des voix. J'entends une musique, elle m'appelle. Je dois aller faire la musique. Elle me donnera sûrement les codes pour pouvoir avoir des bitcoins gratuits. Bon, dans la zone ici. Quoi l'intérêt de mettre un fusil à pompe ici? Oh, oh l'ombre! Immonde. Tout de suite, hein. Hey, bonjour monsieur, vous allez bien? Attendez, je vais vous parler. You'll never find him. Find who? What are you talking about? What's the point of it all? If there's nothing inside me, there's nothing, period. The zone took everything. Every last bit. Maybe there was never anything there to begin with. Look, Stalker, do me a favor, okay? Make it quick. Right in the head. Take this first. Then we'll see. Holy mother of... What was that? Something from Circa. My head is killing me. Are you okay now? Where's Sderev? Sderev? Right. Him. The commander went down to look for him. He sent me here. Don't jump right into the chasm. De toute façon, ce jeu est toujours mieux que le DLC Starfield. Ouh! Even if you don't, Zhishko is standing guard and will shoot you for sure. Oh, c'est mignon, il est fatigué. Ouais, j'en ai de drogue moi aussi. Allez hop! Oh. Quelque chose là-dedans?
Ah ouais, y a quelque chose. Ah merde, je les ai lus. Apparemment, moi aussi, je les ai lus. C'est pas des gens que j'ai déjà tués, ça, qui apparaissent en mode coucou, ça va? Say you can, Commander. You're breaking up. You're from Alpha Team? Goddamn radio! I could hear you a second ago. Hey, are you deaf or something? He doesn't answer. He doesn't answer. He doesn't answer. He's not that far away. The radio should be able to reach him. Come on, Commander. Talk to me, please. Here. Take them. Oh. Stalker? I... What happened? It's all a blur. Your brain got fried. You were rambling. Really? So that's how it works? I felt like I was lost, you know, like a little kid. Where am I going? What am I doing? Who's gonna help me? It's a good thing you were there. Thank you. I haven't got much time. Where's Stedif? Did you find him? Sienkiewicz gave us the go-ahead. We were supposed to look for Stedif at the bottom of the crevice. Near the breach. Do you think it's Stedif who screwed me up like this, Stalker? Could he do that to me? I don't know. But I'm about to find out. Yay! Hey! Bon, où est-ce qu'on descend? Oula, ça a l'air dangereux. Ça a l'air très dangereux même. Et merde! Oh! Monkey! GG Monkey! You haven't been in touch for a while. I've got news. Good news. I've done as you asked. I managed to find out how to get into Circa. Answer me. I'm at the location right now. I'm going to check it out. The path is clear. Can you hear me? We can... Il est où?
du soin. Alléluia. Attendez, ouais. Où elle est où là? Là-dedans? Donne pas envie, hein, là. Commandant, vous êtes vivant! Non, c'est pas le commandant, ferme ta gueule! C'est pas ce que je cherche, mais je le cherche. Calm down. Captain Zinkevich sent me. I'm here to help. About fucking time. But there are none of us left. Except for me. Have you found Sheriff? Hell no. But he was definitely here. The commander found something just before he... Before he went down to the hole to those creatures. Ça va, je te dérange pas avec ta clope là? Tu mets jamais les gens.